Mathé, s'il vous plaît, Mathé, interrompez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On a été interrompu, il y a eu un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Qu'il y a eu un changement de poste. Il y a eu un changement de poste, je crois. On a changé, s'il vous plaît, on a changé de poste. Exactement, s'il vous plaît, informez les autres comme ça, je vais vous attendre. OK, merci. Déjà, je S'il vous plaît, partagez avec vos camarades quand on termine rapidement, s'il vous plaît. Je crois que c'est bon. On a eu le maximum d'étudiants. On peut reprendre? On attend ou on reprend? C'est comme vous voulez. Allez, Samsung, on reprend ou non? On termine? C'est bon? Ok, très bien. Allez, rapidement. C'est bon, merci. Je vous remercie. Alors, très bien. Comme je vous ai dit, si un malade vient vous consulter pour des rectorragies, donc on peut l'examiner et trouver une maladie hémorroïdaire. Mais si il a des facteurs, comme je vous ai dit, antécédents de cancer, les indications de la coloscopie. S'il a plus de 45 ans, antécédent de cancer dans la famille, s'il a une anémie, une altération d'état général, il ne faut pas se rattacher, s'arrêter à ses hémorroïdes. Il faut toujours faire une exploration plus haute. Donc, soit coloscopie, c'est le meilleur, c'est la meilleure indication, coloscopie, sinon au moins une coloscopie courte, c'est-à-dire une rectosigmoïdoscopie. OK? Très bien. Alors,
qu'on a rattaché à autre chose. Alors, bon, maintenant pour les hémorroïdes, souvent, on appelle une crise hémorroïdaire, c'est-à-dire l'association, le sang, plus ou moins des douleurs, plus ou moins un prurite. Donc, et ça va donner parfois tuméfaction, évolution chronique, capricieuse. Alors, regardez, voici les différents stades des hémorroïdes. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Alors, pour ça, c'est pour les hémorroïdes internes. Stade 1, c'est des hémorroïdes non prolabées. Ici, elles restent à l'intérieur, mais boursouflées, congestionnées. Stade 2, je vais vous montrer après comment on les diagnostique grâce à l'anuscopie. Hémorroïde stade 2, hémorroïde qui se prolabe à la défécation, c'est-à-dire lorsque le malade va aux toilettes, lorsqu'il fait le pousser, il sent des hémorroïdes qui sortent, mais qui réintègrent le canal anal spontanément. Hémorroïde stade 3, elle se prolabe à l'effort, regardez, à l'effort de pousser, mais elle ne rentre pas spontanément. Le malade, il est obligé de les pousser avec son doigt pour les réintégrer au niveau du canal anal. Et stade 4, c'est des hémorroïdes prolabées, donc en permanence. Une fois sorties, elles ne réintègrent pas. Et c'est ces malades-là qui ne peuvent pas s'asseoir. OK? Alors ça, c'est schématiquement. Maintenant, regardez, anuscopie. Alors, comme je vous ai dit, au toucher rectal, on ne diagnostique pas les hémorroïdes internes. Le toucher rectal, non. Donc, c'est l'anuscopie qui permet de voir. Regardez, ça, c'est normal. Ça c'est le canal anal, le fond ici c'est le rectum, il y a quelques matières fécales. Je vous rappelle, l'anuscopie, on n'a pas besoin de vider le rectum, on n'a pas besoin de préparation au préalable. Alors regardez, toujours à l'anuscopie, regardez, on voit des hémorroïdes internes qui sont gonflées, congestionnées, on dirait des framboises, mais on voit toujours un peu de lumière du canal anal. D'accord, regardez stade 2, à l'intérieur de l'anuscope, on ne voit plus la lumière anale. Ça, c'est des hémorroïdes internes. Grade 2, c'est-à-dire, et lorsque le malade, il vous dit, lorsque je vais aux toilettes, je sens que ça sort et ça réintègre spontanément. Regardez, stade 3, c'est des hémorroïdes à défécation qui vont sortir. Et là, le malade, il a besoin de les pousser pour réintégrer le canal anal. Il a très mal ici, le malade. Il est obligé de les pousser pour ne pas avoir mal. D'accord? Stade 4, c'est impossible de réintégrer. D'accord? Et là, c'est directement la chirurgie. Stade 4. Ça va les différents stades? Je répète, la maladie des hémorroïdes internes, ils peuvent se manifester soit des rectoragies seules. Souvent, c'est une crise hémorroïdaire, une crise qui associe un prurite, des douleurs, proctalgie et du sang. D'accord? Et les différents stades, regardez, le premier stade, des hémorroïdes qui restent à l'intérieur. Stade 2, qui sortent à la défécation, mais rétraction spontanée, qui réintègre spontanément le canal anal. Stade 3, ils sortent, le malade il est obligé digitalement, avec son doigt, de le réintégrer. Stade 4, elles ne sortent, elles ne rentrent plus. D'accord? Très bien. Donc, voici les différents stades des hémorroïdes, l'hémorroïde interne. Regardez, ça c'est normal. Ça c'est stade 1. Ça c'est stade 2. Stade 3, elles sortent. Le malade obligé de les réintégrer digitalement. Et voici stade 4. D'accord? Très bien. Alors, le traitement. Comment on va traiter les hémorroïdes? Alors, les différents traitements dont on dispose. Traitement médical, d'abord les règles hygiénothétiques. Donc, il faut corriger les facteurs. Donc, maintenant, le malade, il va apprendre. Des fois, il sait que s'il mange ce plat, il va avoir une crise hémorroïdaire. S'il fait ce geste, il va avoir une crise hémorroïdaire. Donc, lui, il sait ce qui lui déclenche. La crise hémorroïdaire, il faut qu'il la corrige de lui-même. D'accord? Très bien. Maintenant, les médicaments. Il existe des suppôts et des crèmes qui se vendent en pharmacie. D'accord? Il y a différentes associations, ce qu'on appelle les topiques, donc sous forme de crème ou de suppôt, ils associent à des... Qu'est-ce qu'on trouve? Ils sont fabriqués à partir de quoi? De lubrifiants, de protecteurs mécaniques, des dérivés de corticoïdes et d'anesthésiques locales. Donc, chaque pommade, elle a sa petite recette, d'accord? Et qui peut soulager. Je peux vous donner quelques noms qui se vendent. Maintenant, il n'y a plus de médicaments sur le marché, il y a une pénurie. Que nous avons la titanurine, qui est une proctologue, qui est une célarque. Il y a maintenant les pharmaciens, chaque fois il y a une petite préparation qui est sur le marché.
mais qui associe à différents degrés un lubrifiant, un dérivé à base de corticoïdes, l'anesthésique locale. D'accord? Et leur efficacité, elle est, ça dépend. Ils peuvent être efficaces, ils peuvent ne pas être efficaces. Ok? Très bien. Aussi, il faut régulariser le transit. Il faut fibres et alimentation riches en mucilage. D'accord? Sinon, on donne des médicaments pour, contre la constipation. Il faut donner un laxatif. Alors, maintenant, on peut donner aussi des antalgiques et des anti-inflammatoires. Surtout les antalgiques de classe 1, c'est-à-dire du paracétamol et classe 2. D'accord? Ils sont efficaces sur la douleur et surtout sur la thrombose. Même, ils sont efficaces pour la thrombose hémorroïdaire externe. Les INS, de très, très médicaments très efficaces. D'accord? En raison de leur action antalgique et anti-œdème. D'accord? Donc, les antalgiques, on donne une cure de 3 à 4 jours, ils sont excellents. Maintenant, s'il y a une contre-indication des INS, on peut donner des corticoïdes à courte durée, d'accord, 3-4 jours. Donc, ça peut soulager le malade, d'accord. C'est ça ce que nous avons comme médicament. Donc, nous avons les topiques sous forme de crêpes ou de suppos, d'accord, régulariser le traitement, le transit. Et nous avons les antalgiques et les anti-inflammatoires. On va associer tout cela, un topique avec un antalgique, un anti-inflammatoire, avec les raids égino-diététiques et la crise, elle va passer, d'accord, rien de grave. Maintenant, on peut, ça c'était les médicaments. Maintenant, il y a un traitement instrumental. Je vous donne les différents traitements. Après, je vous donne les indications. Quand est-ce qu'on va recourir au traitement instrumental? Nous avons la photocoagulation. Coagulation, c'est-à-dire le rayonnement. De la chaleur, on va soigner par de la chaleur. C'est une chaleur en tige de coiffe qui va donner cette lumière, cette chaleur qui peut, c'est-à-dire, faire disparaître les hémorroïdes. Donc, on l'applique en muqueuse glandulaire. Ça, c'est pour les hémorroïdes internes. Durant une seconde, ça va créer un escarre et ça va cicatriser. Et cette cicatrisation de la fibrose, on dirait, elle va obstruer les hémorroïdes. D'accord? Donc, très peu d'effets secondaires. Ça va donner une petite gêne, mais ça donne de bons résultats et très peu d'effets secondaires. Donc, on peut coaguler à l'infrarouge. Nous avons cet appareil-là, une tige. À travers l'anuscope, on va l'appliquer sur l'hémorroïde. Cette chaleur va entraîner une lésion, une escarre, et quand elle va cicatriser, ça va entraîner une fibrose. Et la fibrose, elle va obstruer l'hémorroïde. La deuxième technique, c'est comme pour les... Alors, sachez que pour le traitement des varices œsophagiennes, comment on est arrivé, comment ils ont découvert le traitement des varices œsophagiennes, ils ont commencé par les hémorroïdes. C'est le même principe. Là, c'est la sclérothérapie. Injecter un produit sclérosant. D'accord? Un produit avec une aiguille à l'intérieur, grâce à l'anuscope, on injecte le produit sclérosant. D'accord? Donc, mais il y a quelques effets secondaires et ça nécessite. Cette technique-là, sclérothérapie, elle a été abandonnée grâce à quoi? À une autre technique, c'est la ligature. Maintenant, le meilleur traitement, c'est la ligature élastique. Et c'est à partir de là, de cette technique, qu'ils ont inventé la ligature des varices œsophagiennes, des varices de l'HTP. OK? Donc, ça consiste à placer grâce à un tube, il y a des élastiques, on va aspirer l'hémorroïde interne et on va larguer l'élastique. Ça va l'obstruer. D'accord? Ça va l'obstruer. L'hémorroïde va tomber, ça va laisser une petite cicatrice qui va fibroser et l'hémorroïde va disparaître. Très, très rapide, c'est un examen qui n'est pas douloureux, très rapide, ça donne de très bons résultats, d'accord? Quelques effets secondaires, peut-être une petite sensation de corps étranger pendant un jour ou deux, un petit saignement lorsque l'hémorroïde va saigner, mais sinon, ça donne d'excellents résultats, d'accord? Ça, c'est la ligature. Sinon, nous avons le traitement chirurgical, il y a deux grandes techniques. Il y a l'hémorroïdectomie. Vous savez ce que c'est ectomie? Ectomie, c'est-à-dire enlever. Hémorroïdectomie pédiculaire, c'est la plus ancienne. C'est de Milligan et Morgan, ce que les chirurgiens font actuellement. Consiste à ligaturer les trois branches de l'artère hémorroïdale après excision des trois paquets correspondants. Ils enlèvent les paquets et ils ligaturent l'artère qui les alimente. Et ça va donner cette grosse cicatrice. L'intervention, elle est simple, mais le problème, c'est le post-opératoire. Imaginez au niveau de l'anus, cette lésion. Donc, ça va être très difficile d'aller aux toilettes pendant au moins 10 jours. Donc, la chirurgie, elle est efficace, mais il y a beaucoup le post-op, il est un peu difficile. Ailleurs en France, ils ont abandonné cette technique parce qu'elle est un peu dure. Maintenant, ils ont un appareil.
c'est ils vont l'hémorroïdopyxie. Pyxie, ça veut dire accoler par agrafage circulaire. C'est la technique de Longo. Elle est assez récente, une vingtaine d'années. Donc, grâce à cet appareil, ils vont repositionner le tissu hémorroïdal en position anatomique qui ne touche pas à la muqueuse sensible du canal anal. Ils vont, ça veut dire, les remonter et les agrafer. Ils sont elles sont descendues. Ils vont les repositionner. D'accord? Et l'avantage, ça, il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de soin. C'est-à-dire, le malade, il sort, il est très bien, il n'a aucune cicatrice. Donc, la meilleure intervention, bien sûr, c'est l'hémorroïdopyxie. Ce n'est pas la première qui est l'hémorroïdectomie pédiculaire. OK? Maintenant, ça, c'est assez barbare. C'est-à-dire, c'est un peu dur. Le post-op, il est très, 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 très difficile. Par contre, cette intervention, elle est nickel. Ça donne d'excellents résultats. Et il n'y a pas de souffrance. Le malade ne souffre pas en post-op. OK? Très bien. Maintenant, on va voir les indications. Alors, lorsque nous avons une crise hémorroïdaire, alors, je vais commencer en bas, par le bas. Thrombose hémorroïdaire externe. La thrombose, une hémorroïde externe, il faut toujours régulariser le transit, donner les INS parce que ça diminue la douleur et l'inflammation. Et bien sûr, incision ou excision des selles thromboses externes. On peut enlever le caillot de sang. OK, maintenant, en cas de maladie hémorroïdaire interne, alors, ça dépend le grade. Grade 1 et 2, c'est-à-dire hémorroïdes qui ne se prolapsent pas ou peu. C'est-à-dire, grade 1, elle ne se prolapse pas. Grade 2, elle réintègre. Toujours régulariser le transit. Alors là, on donne le traitement instrumental. Alors, le traitement instrumental, je vais vous le donner. Stade 1, c'est l'infrarouge. Stade 2, c'est la ligature hémorroïdaire. OK? Stade 1, c'est l'infrarouge. Stade 2, c'est la ligature hémorroïdaire. Ligature. Maintenant, la sclérothérapie, la sclérose, elle est abandonnée. Stade 3, c'est ligature. C'est la ligature. Si échec, c'est la chirurgie. Stade 4, donc hémorroïde prolapsée irréductible, c'est directement le traitement chirurgical. Donc, stade 1, traitement médical. Stade 2, on peut commencer l'infrarouge. Stade 3, directement la ligature. C'est bon? Stade 1, c'est un traitement médical, simple. Stade 2, c'est l'infrarouge. Stade 3, c'est la ligature. Le meilleur traitement, c'est la ligature élastique. Stade 4, c'est la chirurgie. Ça va? Ça va? Tout le monde, on peut avancer? Pas de questions? Très bien. Donc, vous avez bien saisi la symptomatologie, les différents stades de la maladie hémorroïdaire et le traitement. Le traitement, c'est bon. OK, allez, on avance. Très bien. Donc, on a terminé avec la maladie hémorroïdaire. Maintenant, on passe à la deuxième pathologie anale la plus fréquente après les hémorroïdes, c'est la fissure anale. Alors, c'est quoi la fissure anale? Là, la fissure. La fissure, regardez. Déjà, comment on la diagnostique? À l'inspection. OK? À l'inspection, on voit ça. D'accord? Alors, le diagnostic, il repose sur une triade. Triade. Triade, ça veut dire trois. Une triade. Alors, nous avons un syndrome d'abord, syndrome douloureux anal, rythmé par la défécation. D'accord? Alors, c'est une douleur qui évolue en trois temps, rythmée par la défécation. Rythmée, donc, évolue en trois temps. C'est-à-dire, elle est déclenchée par le passage des selles. C'est-à-dire, dès que le malade roule les toilettes, il évacue, ça déclenche la douleur. Puis, il va y avoir une rémission. La douleur, elle disparaît transitoirement. Puis, elle va reprendre pendant quelques heures. C'est pour ça, je vous dis, douleur qui évolue en trois temps. Un, déclenchée par les selles. Il va y avoir une rémission transitoire de quelques heures, quelques minutes, quelques heures. Puis, elle va reprendre spontanément, wahada, pendant plusieurs heures. D'accord? Donc, le syndrome douloureux, anal, rythmé par la défécation, douleur en trois temps. Elle évolue en trois temps. Et c'est pour cela, le malade, il a peur d'aller aux toilettes. Parce que dès qu'il va aux toilettes, il déclenche cette douleur. Donc,
On peut avoir un saignement modéré, minime. Alors, le deuxième signe, c'est la contracture du sphincter interne. C'est-à-dire, si on fait le toucher, le sphincter, il est fermé. D'ailleurs, il y a une, et même une hypertonie. On ne peut pas faire le toucher rectal chez ce malade, ni anal, ni rectal. Ni dès qu'on introduit notre doigt, le malade, il a mal. On s'arrête. Il faut respecter. Donc, si on essaye de faire le toucher anal, contracture du sphincter. OK? Le troisième, c'est à l'inspection, je vous ai dit, l'ulcération. Voici l'ulcération. Regardez, au niveau du canal anal, on dit elle est en raquette. Je te la raquette de tennis. Ici, l'arrondi, ou là, le bout. D'accord? Arrondi, on dit en raquette. D'accord? Très bien. Alors, où est-ce qu'elle est située, cette fissure? Alors, ici, c'est le... Alors, s'il vous plaît, regardez. Ici, c'est la région postérieure. Ici, c'est la région antérieure. Ici, c'est latéral droite, latéral gauche. OK? Donc, souvent, elle est située là, en postérieure. Classiquement, elle est postérieure. Commissurale postérieure dans 75%. D'accord? Chez la femme, elle peut être antérieure aussi. Mais chez l'homme, elle n'est que postérieure. Chez la femme, elle peut être antérieure ou les deux. Elle peut avoir les deux fissures, antérieure et postérieure. Jamais latérale. Une fissure latérale, elle est suspecte. Soit c'est un cancer, soit c'est une maladie de Crohn. OK? Donc, au cours de la fissure anale banale, la fissure, elle est postérieure ou antérieure chez la femme. La femme, elle peut l'avoir antérieure. Chez l'homme, elle est toujours postérieure. Fermini. Une fissure anale latérale, ce n'est pas une fissure banale. Elle est suspecte. Soit c'est un cancer, soit c'est la maladie de Crohn. OK? Donc, je vous ai dit, quand on dit fissure anale, il y a une triade. Trois signes. Le syndrome douloureux, la douleur qui évolue toujours, la même chose, trois en trois temps, déclenchée par la défécation. Elle cède quelques temps, transitoirement, ou pendant quelques heures. L'essentiel, la douleur, elle est déclenchée par la défécation. Deuxièmement, il y a une hypertonie sphinctérienne, contracture, on ne peut pas faire le toucher, il faut respecter, il ne faut pas forcer, parce que sinon on va aggraver cette fissure et le malade va avoir très mal. Et le but, il ne faut pas faire souffrir le malade. La troisième, c'est à l'inspection, on va voir cette ulcération. Ulcération, donc arrondie, en forme de raquette, le siège toujours postérieur. Chez la femme, elle peut être antérieure. Soit postérieure, soit antérieure. Latérale, jamais. OK? Très bien. Maintenant, il y a différents types de stades de la fissure. Nous avons les fissures jeunes et les fissures vieilles, c'est-à-dire chroniques, plusieurs mois. Alors, la fissure jeune, superficielle, regardez l'image, les bords sont fins, très rosés, il y a pas, elle est isolée, wahadha, seule, d'accord? Et elle cicatrise dans 50% des cas, elle va cicatriser avec le traitement. Bien sûr, il y a un risque de récidive où elle va évoluer dans la fissure chronique. Hai, la fissure chronique, regardez, hai, la fissure chronique. Alors, comment, quand on diagnostique, comment on sait qu'elle est chronique? Alors, d'abord, elle est plus profonde. Les bords sont plus comment dirais-je? Ils ne sont pas fins. D'accord? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une marisque hémorroïdaire. Il y a une marisque. Pas. Une marisque hémorroïdaire. On dit marisque sentinelle. Sentinelle. En français, c'est quoi le sentinelle? C'est la selle. C'est les sentinelles. Donc, on dirait, regardez, cette marisque, on dirait qu'elle est en train de la surveiller. Marisque sentinelle. Toujours lorsqu'on trouve une fissure avec une hémorroïde fougasse, au-dessus, ça prouve que c'est une fissure chronique. D'accord? Et lorsqu'on fait, si on peut faire l'anuscopie, on va trouver les papilles, des papilles anales hypertrophiées. D'accord? Papilles hypertrophiées. Donc, les signes qui nous orientent qu'une fissure, elle est chronique, c'est l'hémorroïde au-dessus, accompagnée d'une marisque, d'accord? Et la papille sur la ligne pectinéale. Et papille hypertrophique sur la ligne pectinéale, ça c'est à l'anuscopie, parce que des fois, au cours des fissures chroniques, le tonus il reprend. C'est pas la contracture, elle est moindre que pour la fissure jeune. Donc on peut faire l'anuscopie. Si on peut la faire, on la fait. Si on ne peut pas la faire, pas besoin. Ça nous suffit, la marisque hémorroïdaire, pour nous dire que c'est une fissure anale chronique. D'accord? Donc on a la fissure jeune, la fissure chronique, et nous avons la fissure anale surinfectée. C'est-à-dire infectée avec du pus, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit aiguë, qu'elle soit chronique.
OK? Très bien. Alors maintenant, le mécanisme. Pourquoi apparaissent les fissures? D'abord, il y a un facteur anatomique. Nous avons ici, regardez, voici, ça c'est l'anus. Ça, en postérieur, là, nous avons le triangle de Minor. Ce triangle-là, c'est une zone de faiblesse. Donc, c'est là où se constitue le plus de fissures. Donc, en plus du facteur anatomique, il y a les facteurs mécaniques. Donc, déclenché initialement, il y a eu un traumatisme. Traumatisme le plus fréquent, c'est quoi? C'est des selles dures, volumineuses. D'accord? Des selles volumineuses, ils peuvent déclencher ça. D'accord? Ou aussi des pratiques sexuelles, homosexuelles, aussi ça peut déclencher cela. Mais le plus souvent, c'est les selles volumineuses. Nous avons aussi un facteur vasculaire, cette région, elle est hypovascularisée, donc fragile. Il y a un facteur sphinctérien, une adaptation à la pression, c'est-à-dire si la pression au niveau du canal anal, elle est très importante, ça peut entraîner cette déchirure. Et le facteur cutané, c'est-à-dire perte de l'élasticité avec le temps, cette région, elle perd son élasticité, donc elle devient fragile. Mais souvent, il y a toujours un facteur traumatisant, souvent des matières fécales volumineuses, le plus souvent, autre pratique, ça c'est autre chose. OK? Très bien. Maintenant, le traitement. Comment on va traiter une fissure anale? Alors, le fissure anale, d'abord, on a dit la constipation, toujours régulariser le transit, le régime et les laxatifs. Soulager les douleurs. Donc, les douleurs, soit par des antalgiques, par voie orale, d'accord? On peut donner les INS ou alors des polytopiques, pommades, suppos qui contiennent des anesthésiques locaux. D'accord? On peut aussi faire des injections sous fissure avec une aiguille. Vous avez vu l'aiguille sous-cutanée, c'est l'insuline. Avec cette aiguille, on va injecter de l'anesthésie locale. D'accord? Ça peut lever la contraction du sphincter. Donc, les résultats sont variables. À peu près, ça peut marcher ou comme ça peut ne pas marcher. D'accord? Alors, sinon, nous avons la léomyotomie pharmacologique. La léomyotomie. Alors, c'est la fibre musculaire lisse. Tomie, c'est-à-dire comme si on va ouvrir. Omi, c'est ouvrir. Pharmacologique, c'est-à-dire par des médicaments. Les dérivés nitrés, vous vous rappelez quand est-ce qu'on a utilisé des dérivés nitrés, nitral ou risordant, la pathologie digestive? Alors, qui va me répondre? On a utilisé déjà des dérivés nitrés. Fait un cours. Dérivés nitrés. Alors, qui a révisé ces cours? Très bien, très bien. La calasie. Samsung, c'est très bien. Très bien. Donc, la calasie. Les troubles fonctionnels primitifs. Au cours de la calasie, il y a une hypertonie du sphincter interne, inférieur de l'œsophage. Ici, c'est le même principe. Il y a une hypertonie du sphincter interne qui est musculaire, muscle lisse. Eh bien, on peut utiliser le même principe. On va utiliser les dérivés nitrés. Alors, avant Bekri, il y a quelques années, si on donne les dérivés nitrés par voie orale, ça ne va pas agir pour arriver jusqu'à l'anus. C'est pour ça qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un comprimé de nitral ou de risordant, on va le broyer, le mélanger avec de la vaseline pour en faire fabriquer une pommade. Et on va appliquer directement cette pommade ou cette crème au niveau de la fissure. Et ça donne de très bons résultats. Maintenant, avant, on faisait nous-mêmes, on prenait un comprimé et on le broyait, on préparait cette préparation, mais on ne connaît pas le bon dosage parce que les dérivés nitrés, le résordant, il a des effets secondaires, surtout les céphalées. D'accord? Maintenant, il y a des pharmaciens qui, maintenant, la préparation, elle se vend. Ça s'appelle nitral crème, si vous voulez, nitral crème. Ça se vend dans les pharmacies, même les herboristes, il existe une crème nitrale, ça s'appelle nitrale, une boîte en boîte, et le malade va l'appliquer 2 fois par jour sur la fissure. Ça donne de bons résultats. Aussi, vous vous rappelez la toxine botulinique, le botox, pour enlever les rides? Et bien, la même chose, avec une aiguille, on va injecter le botox au niveau du sphincter interne. Mais ça n'a pas encore l'AMM, on ne l'utilise pas encore chez nous. D'accord? Les dérivés nitrés, on les utilise en crème, en traitement local. D'accord, ça, c'est le traitement pharmacologique. Sinon, nous avons le traitement chirurgical. Alors, traitement chirurgical. En cas de fissure, quand est-ce qu'on va opérer? C'est en cas de fissure résistante, récidivante, infectée, suspecte.
ou associé à une pathologie hémorroïdaire. Donc, une fissure qui résiste au traitement médical. Là, on passe au traitement chirurgical. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a eu... attendez. Quelqu'un qui m'avait posé la question. Alors, stade 1, aucun traitement instrumental. Traitement médical. D'accord ? C'est un traitement médical. Traitement simplement médical, pas instrumental. Quel type instrumental ? Instrumental, c'est des hémorroïdes. J'ai pas compris. Vous parlez stade 1, c'est Galaxy, je crois Galaxy S6, Edge. Vous parlez des hémorroïdes ou de la fissure ? Précisez votre question, s'il vous plaît. Si vous parlez des hémorroïdes, hémorroïdes, oui. Les hémorroïdes, aucun traitement instrumental, traitement purement médical. OK, sur le tableau. OK ? Très bien. Alors, bon, maintenant, quels sont les différents traitements ? Il y a deux types de traitements que je vais vous donner. Qui est la léiomyotomie, essayez de retenir, pour comprendre. Léiomyotomie. Tomie, ça veut dire qu'on a ouvrir. Ouvrir fibre musculaire lisse du sphincter. La léiomyotomie latérale seule. Léiomyotomie latérale. Si on faisait une léiomyotomie totale, il n'y aurait plus de sphincter interne. Le malade, incontinence anale. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut ouvrir le sphincter chirurgicalement sur un seul côté. D'accord ? Léiomyotomie est une technique de référence, surtout chez les Anglais et les Américains. Donc, elle consiste à sectionner le sphincter interne dans sa partie distale, en général latérale gauche. Elle est plutôt indiquée, la fissure anale, somarisque et papille associée, c'est-à-dire la fissure aiguë jeune. Pour la fissure aiguë jeune, c'est l'indication léiomyotomie latérale seule. OK ? Très bien. Maintenant, il y a une deuxième technique, c'est la fusérectomie. Ectomie, ça veut dire enlever la fissure. Fusérectomie avec léiomyotomie associée. D'accord ? C'est-à-dire, ça permet de résiguer la fissure anale avec la marisque ou sa papille. D'accord ? C'est pour cela, elle est indiquée fissure anale chronique, infectée ou douteuse. D'accord ? Donc, pour le traitement chirurgical, si échec du traitement médical, ou si la fissure elle est récidivante, chronique, qui ne répond pas au traitement, ou la infectée, ou la suspecte, c'est-à-dire elle est latérale, d'accord, vaut mieux opérer une fois pour toutes. Donc, si la fissure elle est jeune, c'est la léiomyotomie seule, latérale. Si elle est chronique, avec la marisque, avec la papille au niveau du canal anal, c'est la léiomyotomie associée à une fissurectomie, enlever la fissure. Ça va jusque-là? Alors, pas de questions concernant les fissures? Oui, c'est la même chose. Oui, myotomie, exactement. Oui, il a dit la séromyotomie. Oui, maintenant, quel cours, séromyotomie? La séromyotomie. Myotomie, c'est ouvrir le muscle. Mais séromyotomie, quel cours? C'est-à-dire en gastro, je ne crois pas qu'on vous ait parlé de la séromyotomie. Je ne sais pas. Séromyotomie, c'est quel... Mais myotomie, c'est la même. Myotomie, c'est ouvrir le muscle. Myotomie. Léiomyotomie, c'est le muscle lisse. Rhabdo, c'est le muscle strié. Maintenant, séro, on a la poly, c'est mentionné dans le polycopier. Garder léiomyotomie. D'accord ? Garder léiomyotomie. C'est des termes parce que des termes, des fois, sont anciens, ils changent. Donc, garder léiomyotomie. OK ? Très bien. Alors, maintenant, le dernier cours, très rapide, abcès et fistule. La troisième pathologie qu'on voit en proctologie. Alors, abcès et fistule. Alors, abcès. Maintenant, je redémène rapidement. Toujours, il faut revenir à l'anatomie. Donc, le mécanisme. Alors, au niveau du canal anal, au niveau de la ligne pectinée. Je t'arrête sur la ligne pectinée qui sépare hémorroïde interne et hémorroïde externe. Au niveau de cette lignée, au niveau du canal anal, il y a des glandes. C'est des glandes qui lubrifiantes. Donc, c'est les glandes d'Hermann et des fosses. D'accord ? Alors, si ces glandes-là, elles s'infectent, ça va entraîner un abcès.
un abcès au niveau de l'espace intersphinctérien. D'accord? Très bien. Alors, donc, cet abcès-là, une fois infecté, l'abcès, il est rempli de pus. Le pus, il ne reste pas à l'intérieur. Il va essayer de sortir, de s'évacuer. Donc, il va y avoir une évacuation, il va fistuliser pour sortir vers le plan cutané. D'accord? Et ça, il va emprunter pour cela, regarder des chemins, soit directement, soit des chemins plus ou moins complexes. D'accord? C'est pour ça, lorsqu'on appelle donc abcès et fistule, c'est la même chose. Ça commence par un abcès, puis il va sortir, le pus de l'abcès va sortir, ça va être la fistule. C'est pour cela, on parle d'un orifice interne, c'est l'abcès, le trajet qu'il va prendre, et l'orifice externe, c'est vers l'extérieur. OK? Donc, nous avons l'abcès, c'est l'orifice interne, le trajet, le chemin qu'il va prendre, et l'orifice externe, secondaire, d'où il va être évacué cet abcès. D'accord? Alors, regardez, voici un abcès. Là, il est un abcès avec la sortie du pus. Alors, comment on va faire le diagnostic? Le tableau clinique, d'abord, ça va commencer par une douleur anale. Au début, elle est modérée, puis de plus en plus vive. Alors, la particularité, elle n'est pas rythmée par les selles. Elle n'est pas déclenchée par la défécation. D'accord? C'est très important. Si un malade vous dit, j'ai mal au niveau de l'anus, sans aller, ça n'a rien à voir avec les toilettes. Donc, ce n'est pas comme la douleur déclenchée de la fissure. Alors, cette fois-ci, vous avez une douleur non rythmée par les selles. La douleur, elle devient tellement vive, importante, c'est comme ça peut entraîner des insomnies. Je vais vous résumer la douleur de l'abcès anal. Est-ce que l'un parmi vous a eu un abcès dentaire ou alors un panari? C'est la même chose. C'est un abcès, qu'il soit au niveau de l'ongle, au niveau de la dent ou au niveau de l'anus, ça donne le même type de douleur. Une douleur qui va augmenter et elle va devenir tellement importante que... Oui. Donc, celui qui a l'abcès, a eu un abcès dentaire, il peut imaginer la douleur. Donc, elle augmente. Et lancinante, comme si quelque chose a été bloqué. Lancinante. D'accord? Très bien. En plus de cette douleur, un syndrome infectieux, soit un fibricule, ça dépend. Il y a de la fièvre, des fois, il n'y en a pas. OK? Alors, l'examen. Parfois, l'abcès, il est évident. On le voit, comme ici. À l'inspection de la marge anale, on voit un bombement, une masse rouge, tendue, rouge ou même jaune, rouge ou jaune. Alors, quel est le diagnostic différentiel avec une masse au niveau de l'anus? Le diagnostic différentiel. Le malade, il a une douleur au niveau de l'anus et lorsqu'on examine, il y a une masse rouge. Elle n'est pas bleue. Donc, le diagnostic différentiel, c'est la thrombose des hémorroïdes externes. OK? Très bien. Donc, une masse tendue, luisante, sur le pont de se rompre, où là, déjà, elle est rompue et on va sortir du pus. Alors, des fois, l'abcès, il est profond. Il n'est pas au niveau de la marge anale, mais il est situé au niveau du canal anal. D'accord? Donc, c'est un abcès profond. Donc, c'est la palpation, on va sentir, à la palpation, on sent une tension anormale. Et bien sûr, si on fait le toucher rectal, on va trouver, on dirait, un bombement. Là, au toucher rectal, on peut suspecter soit un bombement douloureux ou là, une infiltration, quelque chose de dur. OK? Très bien. Alors, après l'abcès, la deuxième phase, c'est la phase fistule. Elle succède à la phase d'abcès, donc évacuation, soit spontanée, soit chirurgicalement. Regardez. Là, nous avons un abcès. Il a suffi de le piquer, le pus qui commence à sortir. L'inspection découvre facilement, ça c'est l'orifice externe, c'est la sortie, l'orifice, on a eu l'orifice interne, c'est l'abcès, le trajet et l'orifice externe. Donc, s'écoule en général un peu de sérosité. D'accord? Et la palpation, on peut à la palpation sentir le trajet fistuleux, d'accord? Subcutané, filant le siège de l'orifice cryptique. Alors, l'anuscopie, on peut grâce à l'anuscopie mettre en évidence l'abcès à l'orifice interne. Donc, certaines fois, grâce à la microscopie, on peut voir l'orifice interne. OK? Alors, pour le traitement, l'antibiothérapie PAOS, elle est inutile parce qu'il y a très peu d'antibiotiques qui arrivent à ce niveau. Les quelques antibiotiques, on les a déjà utilisés, vous vous rappelez que la maladie de Crohn, c'est le flagyl et le ciprolan. Mais sinon, très peu d'antibiotiques agissent à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut un traitement chirurgical. C'est mise à plat d'enlever cet abcès. Donc, soit
exérèse de la glande infectée, enlever l'orifice primaire. Très important, respecter l'appareil sphinctérien. D'accord? Donc, exérèse, enlever et surtout respecter l'appareil sphinctérien parce que sinon, on tombe, si on touche le sphincter, on fait une incontinence anale. OK? Et on a terminé. Je vous fais c'est tout ce qu'on fait sur la proctologie anale. On a